Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Ben hey, vous êtes de retour, vous avez décidé de suivre mon aventure du jeu d'aventure de livre du Seigneur des Anneaux. Et on suit donc la fameuse histoire, fait que je vous remercie beaucoup d'être là. C'est toujours très spécial, je suis toujours très heureux quand je réussis à avoir du monde qui vient de faire un petit tour. Donc on est rendu au chapitre 2. Et le chapitre 2, ben, on est rendu dans la communauté de l'anneau où les différentes factions vont se réunir pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec la fameuse anneau après avoir été, après que Frodon ait eu l'immense tâche de trouver Aragorn et Aragorn les a amenés ici parce que Frodon était, si vous rappelez bien, blessé. Puis c'est écrit ici « Fellowship Forge after being wounded by the Nazgûl ». Alors après avoir été blessé par les Nazgûl, Frodon et ses amis arrivent à Rivendell. Tempers flare as the delegation argue over what to do with the ring. Alors là, on arrive ici au moment où tout le monde est un peu fâché de qu'est-ce qu'on fait avec la fameuse, le fameux anneau. Alors on va y aller avec le setup ici. Donc je dois trouver le chapter 2 plot. Alors c'est la carte d'histoire du chapitre 2 qui est ici, qu'on va prendre le temps de regarder tantôt. Je ne ferai pas comme dans mon chapitre 1. D'ailleurs, mon chapitre 1, j'ai vérifié pour la carte de corruption. Et il faut donc lire les cartes de corruption aussitôt qu'on avance le jeton. Sauf que ma carte de corruption me demandait de faire quelque chose à la fin de mon tour. Et à cause qu'on arrivait à la fin complètement du chapitre, j'ai pas eu. Donc, on ne termine pas les chapitres lorsqu'on réussit quelque chose, lorsqu'on réussit un chapitre, on n'a pas à se rendre à la fin du tour. Alors, j'ai été chanceux dans cette fameuse malchance-là, on pourrait dire ça comme ça. Donc là, j'ai trouvé ça. Ensuite, j'ai déjà bien brassé le story deck. On va espérer cette fois-ci que tout arrive, pas nécessairement tout en même temps, parce que j'ai eu beaucoup de One Ring Card qui me fait avancer la corruption. On commence le chapitre 2 avec 3 de corruption. On va essayer de garder ça le plus bas possible, je l'espère. Parce que sinon, ça ne sera pas le fun si, malheureusement... Il y a une façon de sauvegarder la partie en passant. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout faire ça en une seule soirée. Et je dois maintenant me donner 4 cartes. Alors, allons-y. Alors, 1, 2, 3... et 4 cartes. Et comme vous le savez, lorsqu'on joue en solo, on a ici une main de cartes de 6 cartes qu'on peut faire des échanges. Donc 3, 4, 5 et la 6e carte. Donc ça, c'est pour pouvoir faire des échanges. Alors, toutes les autres cartes s'en vont là. Alors, j'ai ici la deck des histoires que j'ai très, très, très bien mélangée. Ensuite, je vais placer Aragorn, Legolas, Gimli et Frodon sur leurs espaces. OK, alors, on a Legolas qui va commencer ici. On a Frodon qui commence avec Elrond, d'ailleurs. On va regarder ça tantôt dans quelques instants. On a Gimli qui commence ici. Et on a Aragorn qui commence là. Alors, ils sont placés. Et je vais mettre Elrond sur son espace. Alors, c'est définitivement, je pense, basé sur les films, hein, parce qu'il ressemble vraiment à l'acteur qui jouait. Donc, j'imagine que c'est basé effectivement sur les films. Alors, les deux sont sur le même espace. D'ailleurs, on va voir ça tantôt. Je pense que c'est le seul qui peut être avec quelqu'un d'autre sur son espace. Ensuite de ça, je vais placer le dwarf, le elf et le man anger. Donc ça, c'est la colère, c'est ce qui représente la colère des elfes que je dois placer ici, la colère des nains que je vais placer ici, et on a également la colère ici des hommes. Puis là, c'est drôle, Boromir il est là, mais j'ai pas rien pour lui pour l'instant. Voilà. Et ensuite, le joueur qui a le plus d'anneaux, c'est lui qui commence à jouer, mais je suis tout seul. Alors, les règles spéciales pour ce scénario-là, c'est écrit que tous les personnages figurines ne peuvent pas entrer dans une place avec un autre personnage. Donc,
il peut pas. Donc, je peux pas. C'est comme un. Ce que j'ai compris, c'est que c'est un petit casse-tête là, qu'il faut faire. Okay? Puis on a un ordre pour. Ici, on a un challenge, mais les quatre premiers peuvent être faits dans n'importe quel ordre. Okay? Alors, character miniature cannot enter space with another character or an anger counter from an opposite delegation. Donc, eux autres, ils bougent pas, le dwarf, le elf puis le man. Mais donc, l'elfe ne peut pas rentrer dans l'espace du man. Donc, il va falloir que je réfléchisse. C'est vraiment fait comme sous forme de casse-tête, on s'entend. Puis les personnages peuvent bouger sur les lignes blanches ou sur les lignes bleues. OK? Ensuite, you will unite or you will fail. Donc, les joueurs ne peuvent pas bouger Elrond. Elrond va se bouger seulement avec la carte d'histoire qui est ici. Donc, c'est ça qui est écrit là. Et puis, lui va seulement bouger sur la piste blanche. Et s'il arrive ici, la partie est perdue. C'est comme, donc, encore une fois, un timer. Alors, quand il rentre dans un starting space d'un personnage, donc par exemple, si par exemple il arrive ici dans le starting space de Legolas, ben Legolas doit revenir là. Fait qu'il faut que je dois réfléchir à l'ordre dans lequel je veux faire mes choses, mais ouais, OK. Parce que vous allez voir c'est quoi le but du jeu, là. Puis The Fellowship of the Ring, donc aucun personnage ne peut entrer dans la zone de One Ring avant la fin. Avant le tout dernier des challenges ici, et tous les personnages peuvent rentrer dans la One Ring Space. Okay? Donc, c'est pas très compliqué. C'est qu'il faut. C'est écrit pour les challenges qui sont là. C'est écrit, par exemple, le Doom of Man. Aragorn doit être avec le Must Be on the Man Anger Counter. Donc, il faut qu'Aragorn s'en vienne ici. Et il faut que je dépense ça. Et ensuite, je vais l'enlever. Alors, le but, c'est d'accomplir tout ça. Et là, on a Boromir. Aragorn must be on Boromir Space. Alors, à un moment donné, il faut que j'aille aussi ici avec Aragorn. Et là, ce que je vais avoir réussi, ces quatre-là. Donc, il y en a un pour les hommes, les nains, pour les elfes. Et ensuite, on a Boromir. Et ensuite, il faut que toute la gang se ramasse au centre, à côté de l'anneau, pour partir. C'est très thématique, quand même. Alors, c'est écrit ici qu'on perd si Elrond se rend au bout complètement. Où ça, on arrive sur la 15e track. Donc, vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Alors, allons-y, on commence le chapitre 2. OK, donc là, c'est un beau petit casse-tête. C'est un beau petit casse-tête. C'est un casse-tête intéressant. Le plus simple... On s'entend que j'ai pas le choix d'enlever les dwarfs pour qu'Aragorn puisse aller là. Pour les nains, j'ai besoin de deux fois ça ici. Bon, fait que ça ne marchera pas tant que ça. Les elfes, il faut que je fasse attention parce que lui, il n'y a personne à aller voir, mais il faut que je le rende là. Fait qu'il va falloir que je le bouge. Fait que je vous dirais que je vais le bouger un là. Déjà, on va commencer à le bouger. Puis je pense que... c'est parce que là, je pense que le mieux, ça serait de m'occuper des nains. Fait que je pense que je vais bouger Gimli ici. Et je pense que je vais me départir d'une carte pour envoyer Gimli là. OK. Ensuite, je vais défausser. En fait, je vais échanger cette carte-là avec celle-là, parce qu'on va avoir besoin d'aller la chercher éventuellement, ça c'est sûr. Fait que là, j'ai fait mon trade, je réussis pas de challenge. On va piger nos deux premières cartes, on va espérer qu'on ait des cartes le fun. Oh, on a notre carte spéciale, qui en passant, j'ai compris que je pense que les cartes spéciales peuvent être défaussées pour n'importe quelle carte. Alors c'est que je peux compléter un challenge en utilisant une ou plus des cartes ring, donc one ring, sans avancer sur la carte de corruption. Fait que ça, j'avoue que c'est très cool. C'est très, très cool. Ça, c'était ma première carte. Et la deuxième. Oh yes! C'était pas prévu, mais là, ça marche bien.
Alors, j'ai pas regardé c'est quoi qui est écrit, là, mais c'est surtout le mouvement de Elrond. Là. Alors, 5, c'est 1 à 4, Elrond ne bouge pas. Puis 5 à 15, Elrond move one space toward his path. Donc, Elrond, c'est le seul qui peut rentrer avec d'autres personnes. Character mature cannot enter a space with another character or an anger counter. Mais on parle pas d'Elrond. Any character can share a space with Elrond, c'est écrit dessus. Ensuite, si Len a un character starting space, ce personnage doit revenir. Fait que vous comprenez que je ne peux pas bouger les Legolas tout de suite. Alors ça, c'est fait. Et là, c'est au tour de Gimli. Mais là, ben pas Gimli, mais je veux dire Gimli, je vais le bouger de deux espaces. Un, deux. Et là, il est dessus. Et je vais donc me débarrasser de ces deux cartes-là. Ici. Pour réussir ça. Donc, Gimli must be on the dwarf anger counter. J'ai réussi. Alors, je l'enlève tout simplement du plateau. Et je reçois le reward. Donc, j'enlève le dwarf anger counter from the board. Et je pige une carte du story deck. Donc, c'est ça mon gros reward. Alors, c'est bon. Là, c'est sûr que je pourrais avancer. Je pense que je pourrais avancer. Legolas pour aller voir Boromir. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais avancer en défaussant celui-là. Je vais avancer Legolas ici. Parce que là, il va falloir que j'enlève. Lui, dans le fond, il a fini sa job. Fait que j'ai plus vraiment. Il faut juste que je l'enlève pour nuire. C'est un peu ça la problématique présentement. OK. Fait que je pense que j'ai fini. Donc, je vais me piger. Ah, j'ai fini ça ici. Alors, je vais me piger deux cartes. Un et deux cartes. OK, j'ai les hommes. OK, bon, je vais être capable de réussir, sans problème. Je pense. Alors, on va aller maintenant se prendre ça. 4, Elrond does not move. Alors, Elrond ne bouge pas. Qui va donc me permettre. Sauf que lui, j'ai besoin d'être ça. Donc, j'ai besoin de deux rouges. Et ce que j'ai pas du tout pour l'instant. Donc, je pense que je vais commencer par bouger un et bouger un. Ensuite, je vais bouger lui ici. J'ai pas fait d'échange. Est-ce que je bouge? Je pense que je vais bouger. Ah non, peut-être pas encore. Peut-être pas celui-là. Je vais utiliser celle-là parce que je vais bouger ici avec lui. Puis je pense que ça va être tout. Donc je fais pas. Je ne joue pas de carte spéciale. Donc tout va bien. Donc je peux piger maintenant mes deux cartes. OK. Un. Mais c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Là, ça m'aide pas en tout ça là. Cela ne m'aide pas du tout. 9. Alors, lui se rend là. Legolas, il faudrait qu'il revienne, mais il n'est pas parti. Alors, c'est ce qui fait que je vais pouvoir maintenant bouger Legolas. Donc, j'ai pas plus de 6 cartes, fait que ça marche. Donc, je pense que je vais faire 1 et 2. Je vais échanger une carte pour aller chercher celle-ci. OK. Donc là, j'ai ce qu'il me faut. Est-ce qu'on fait ça ici pour bouger Gimli en arrière? Et on arrête ça là? Faut que je bouge Frodo à un moment donné. Hein? Je pense qu'on va arrêter ça là. On va se piger nos deux cartes. Donc, hey boy, OK, 1.
OK. Je pense que... Je pense que ça va aller. Parce que là, 11, boy, OK. Il avance vite. En passant, l'habilité spéciale ici, c'est de le reculer d'un espace. On s'entend que si on le recule sur un espace qui appartient à quelqu'un, il va apparaître là. Oh! Faut que je me dépêche. Donc lui, je vais faire 1, 2. Je vais échanger cette carte-là pour aller chercher celle-là. Parce que je vous rappelle que j'ai le droit d'avoir 6 cartes. C'est ce que j'ai, 2, 4, 6. Et là, je vais utiliser ma carte d'Arwen. Complete a challenge using one or more One Ring card without advancing the corruption track. Donc, je vais utiliser ça, qui vont devenir les deux rouges que j'ai besoin. Alors, c'est magnifique. Je peux piger une carte du Special Deck. Et on voit qu'on a Galadriel's Hair, donc les cheveux de Galadriel. Pige 3 cartes du Story Deck, défausse une carte de ta main. Si je défausse un One Ring Card, do not advance the Corruption Track. Alors, c'est dans le fond, c'est des cartes pour nous aider plus tard. Donc ça a été réussi. Là, c'est ce qui me reste. J'avais bougé de 2. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Sauf que j'ai plus de cartes One Ring. Hein? Ça, c'est... Attends un peu. Là, j'ai-tu trop de cartes là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai une carte de trop. Pourquoi j'ai une carte de trop? J'ai-tu mis une carte de trop? Parce que... J'ai fait mon échange pourtant. Je dois m'avoir mis une carte de trop dès le début. Là. Fait que je vais mettre comme la première carte qui était sur le dessus. Je vais la remettre dans la défausse. Parce que je suis supposé d'en avoir 6. Je ne suis pas supposé d'en avoir. Donc quand on fait des échanges, on fait des échanges. Vous savez que je suis rendu que j'aime beaucoup faire ma reprise vidéo. Mais là, attendez, là, ben, je vais aller voir ma reprise vidéo parce qu'elle me stresse, alors je vous reviens. Alors, à la reprise vidéo, je me suis rendu compte que quand j'ai utilisé cette carte-ci pour aller, celle-ci pour avancer de mes personnages, ben, au lieu de la mettre dans la défausse, je l'ai mis dans le deck des échanges. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est beau. Là, tout est legit, tout est correct. OK, deux autres cartes. 1 et 2. Là, c'est au tour d'Elrond. Alors, est-ce qu'Elrond va avancer? Non, il avance pas. Oh, là, faut que j'en profite. Là, faut que j'en profite le plus que je peux. Oh, définitivement. Donc là, ça fait 1. Ça fait 2. Donc ça, c'est le mouvement de 2. Je vais défausser ça pour aller là. Et en allant là, on va compléter le challenge ici. Donc, je dépense 2 cartes de magie. Et Legolas d'enlève. Donc, remove the anger elf. Donc, c'est fait. Et ensuite de ça, c'est écrit que je pige une carte du story deck. OK. C'est pas vraiment les cartes que je veux, mais... Mais, c'est pas si pire. Le pire, c'est que je pourrais déjà... Peut-être utiliser ces deux cartes-là. Parce que je suis toujours dans mon storytelling. Là, pour avancer lui de 1. Puis lui, l'avancer de 1. Parce que là, lui, il faut que ça en aille là. Ben, c'est pas si mal, mais... Wow! Ça va être juste. Donc, j'ai fini mon tour. On va s'en piger 2. OK, j'ai une One Ring. C'est pas si pire parce que je vais peut-être... J'aurais peut-être pas le choix de le reculer de 1. Mais peut-être pas de suite. Je vais attendre. Parce que là, ce qui va arriver... C'est qu'il bougera pas encore. Wow! Wow! Mais là, il va bouger tout le temps après ça. C'est pour ça qu'il faut que je me dépêche. OK, lui va faire 1, va faire 2.
Je vais faire un échange. Alors, on va échanger cette carte-là pour cette carte-là. Voilà. Je vais défausser ça pour avancer là. Et ensuite, on va faire... En passant, ça, c'est réussi. Je vais faire mon challenge. Deux cartes comme ça. Alors, j'enlève le Man Anger. Et je pige deux cartes du Story Deck. Une chance parce que j'en ai plus. Donc, une carte et deux cartes du Story Deck. Et là, bon, là, lui n'aura pas le choix. Et là, en faisant ça, ça va faire apparaître mon Gimli juste là. OK, je viens de comprendre. OK, donc là, faudrait que... J'ai juste deux cartes, hein? J'ai pas beaucoup de cartes. Faudrait que je sois capable de finir le plus vite possible. Je vais avancer Frodon, là. C'est pour ça qu'ils nous font piger des cartes. Regardez bien ce que je vais faire. J'ai pas le choix. Faut que je le fasse. Alors, là, je vais échanger ça pour ça. Et là, je vais utiliser ma carte pour faire Move a Run Back. Ah non, je vais-tu le faire tout de suite? Non, je le ferai pas tout de suite. Je vais juste la garder avec moi. Pour l'instant. Puis je vais utiliser cette carte-là pour bouger. Non, je ne bougerai pas Gimli. On va bouger l'elfe et ça va être tout. Donc là, je pige deux cartes. Il n'y a rien là-dedans que j'ai besoin. Ça va bien. Ça va très, très, très bien. Et là, c'est un 8. Donc Elrond s'en va là et Aragorn va revenir là. Il ne faudrait pas que ça arrive. Donc. On va bouger un personnage au centre. On va bouger ce personnage-là. Je vais actionner l'habilité spéciale pour reculer. Donc ça, je dois avancer la corruption. Et lui, je peux l'avancer ici. OK, c'est bien, c'est bien. Puis là, après ça... Je vais utiliser mes deux cartes pour faire 1 et 2. Oh, mon Dieu. Aïe, c'est très, très, très serré. Très serré. Là, il faut que je me pige deux cartes. Une. OK, j'ai la bonne carte. Et deux. Oh, OK. OK, c'est intéressant. C'est intéressant. 6. Elrond s'en va là. Comment Elrond, là? Bouge pas trop, s'il te plaît. Est-ce que je vais pouvoir? Donc, 1. 2. Ah. Attendez, là, avant que je fasse ça, là. Est-ce que j'ai envie de faire ça encore? Oh mon Dieu, Seigneur. Alors, any character can share a space with Elrond. Character can move. OK, c'est ça. Player cannot move Elrond if he moves only by the plot chart. When he enters a character's starting space, the character must return to that space. Et là, on sait que j'ai 1, j'ai 2, j'ai 4. Il manque le 3 dans lequel il ne bouge pas. Sinon, Aragorn s'en va là. OK, on va le faire. Je vais garder cette carte-là. Donc, je vais bouger ces deux-là. Là. Je touche à rien. Je touche à rien. OK? Je touche absolument à rien. Pour l'instant, je vais faire
Un. Deux. Eh, boy, OK. C'est... On dirait que ceux-là sont pas capables de se décoller. Va falloir que je les décolle autrement parce que là, ça n'a plus d'allure. Je peux pas bouger avec ces cartes-là, malgré que je peux faire un échange. Bon, alors, j'ai un, j'ai deux. Ah non, non, wow, 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 attendez, attendez. J'ai pigé mes deux cartes, mais j'ai pas bougé mon ami. Non, c'est ça. Donc, 10, il va bouger là, ce qui va ramener Aragorn. Ah là là! Hey, c'est pas évident. Donc là, je fais 1, je fais 2. Je fais un échange. Parce que là, à un moment donné, donc avec ça ici, j'en bougeais un de 1. Bon, on va espérer. Ah, j'ai pas le choix. Je pense que ça va être encore la même chose que l'autre. Je vais rester, garder ça là. On va espérer. 1 et 2. Et là, lui, avec 13, il s'en va là. Donc là, ce que je peux faire 1, 2. Je peux faire 1. Et je peux faire 1, 2. En défaussant ça, et en défaussant ça, ce qui fait bouger ma corruption. Et là, je peux utiliser mon challenge, donc j'ai besoin de me défausser de ça, et c'est réussi. Oh, wow! Oh, wow! Reward, you complete this chapter. Wow, 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 wow! Est-ce que j'aurais perdu là? Non, j'aurais pas perdu là! Ah, oh, wow, c'est très difficile. C'est très difficile. Il y a 8 chapitres, puis je suis déjà rendu à 5 de corruption. Wow, hey, c'est très... OK. Ben voilà, on vient de finir le chapitre 2 avec une victoire, mesdames et messieurs. Je suis encore un peu sous le choc. On continue l'aventure. Là, c'est sûr que là, j'ai comme l'impression qu'au prochain épisode, je vais devoir me vivre avec le fait qu'on arrive ici puis que je me prenne une carte de corruption, là, des yeux de Sauron. J'aurais pas le choix. Mais en tout cas, je sais pas. J'ai peut-être fait des erreurs. Je pense pas. C'est pas un jeu qui est si compliqué que ça. Il y a peut-être des fois des affaires que j'ai oubliées, mais wow, c'est très cool ce jeu-là. C'est très, très cool. Wow, c'est vraiment cool. En tout cas, bref. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez venir me revoir pour le troisième épisode, parce qu'on va en avoir un troisième. Fait que je vous remercie beaucoup. Et non, je ne vous présenterai pas c'est quoi le troisième. On va se garder ça en surprise. Moi aussi, je me garde ça en surprise pour le prochain épisode. Alors, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook. Vous pouvez aller voir mon Instagram. Ça fait très longtemps que je n'ai rien mis. Mais allez voir surtout mon Discord, où on a plein, plein, plein de magnifiques personnes qui font des beaux commentaires là-dessus. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire, Boutique de jeux La Pioche, au www.boutiquelapioche.com, où je me suis procuré ce jeu-là, d'ailleurs. Donc, vous pouvez aller voir s'il en reste des copies. Allez faire également un petit tour chez... S'il n'y en a pas des copies, vous avez juste à demander à JP, puis il va vous en commander. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. Et d'ici la prochaine fois, bien, amusez-vous avec vos jeux de société. Et nous, on va se revoir très bientôt. Wow! C'est très impressionnant pour un petit jeu. Ben, hey, à bientôt. Bye-bye.